Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être compté parmi les vivants. Et pour cette occasion que tu nous donnes de parler à ton peuple. Esprit de Dieu, enseigne-nous et conduis-nous dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, de par le monde entier, je vous salue, fils et filles d'Afrique. Fils et filles d'Afrique de la diaspora. Et tous les Africains de ces quatre coins. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Mère Afrique vous salue. Grand-père Afrique vous bénit. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude ou notre enseignement sur la situation de notre Afrique. Et je l'intitule encore ce matin l'Afrique aux Africains. Oui, l'Afrique aux Africains. Frères et sœurs, il est vrai que la situation de l'Afrique est déplorable. Il y a des causes externes profondes et des causes internes. Et pour sortir de l'ornière, il me semble qu'il faut attaquer les causes internes. Vous voyez, quand un corps est bien portant, quand ses cellules sont en bon état, c'est difficile qu'une maladie vienne envahir le corps. Donc nous allons nous attaquer aujourd'hui à quelques causes internes. Il y a plusieurs causes, mais nous allons nous attaquer seulement à quelques causes. Vous voyez, l'Africain a été endommagé de fond en comble. C'est-à-dire qu'on a endommagé l'identité du noir. L'Africain est malade. Inclus moi. Nous avons une maladie terrible. Mentalement, du point de vue identitaire, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, il me semble qu'on nous a détruits. Il faut qu'on guérisse. Il faut que l'homme africain soit guéri. Et il me semble qu'il y a deux points essentiels. Deux points qui pourront nous aider à aller à la guérison. C'est pourquoi je vais lire deux passages. Le premier texte, je le lis dans Proverbe 11, verset 14. Et le deuxième texte, je le lis dans 2 Chroniques 7, verset 14. Le premier texte, je le lis ainsi. Et je lis le texte de Proverbe dans la version Le Semeur. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Amen. Le deuxième texte, dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, on lit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je disais qu'il y a plusieurs causes. Ce qui se passe s'explique. Et nous allons seulement voir deux points. Le premier point est d'ordre politique. Et le deuxième point est d'ordre religieux. Au niveau de la politique, je veux parler avec tremblement. Parce que je m'adresse aux chefs d'État, à nos présidents, à nos ministres, à nos députés, à toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Je ne suis pas digne de m'approcher de vous. Mais permettez-moi de vous parler en tant que votre fils, votre enfant, votre petit frère. Mais surtout en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit, et ça c'est Dieu qui parle, quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. C'est ce que Dieu dit. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Proverbe 11, verset 14. Si l'Afrique n'est pas bien gouvernée, elle décline. Mais puisque nous sommes dans une situation où c'est comme si c'est le déclin qui est déjà là, la conclusion, c'est que nous avons été mal gouvernés. On a été mal gouvernés. J'allais dire, on a été très mal gouvernés. Des quatre coins de l'Afrique, on a été mal gouvernés. C'est ce que le Seigneur dit. Quand on est mal gouverné, on chute. Quand on n'a pas des leaders et des dirigeants qui sont inspirés de Dieu, nous allons connaître la chute. Nous allons connaître la désolation. Nous allons connaître la misère. Nous allons connaître ces guerres. Parce que quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Je ne veux pas mettre toute la responsabilité de la situation africaine sur vos têtes. Parce que nous tous, nous jouons un rôle. Gouverner comme gouvernant. Mais la première responsabilité vous incombe. La première responsabilité vous incombe en tant que leader. Parce que quand la tête ne va pas bien, c'est tout le corps qui est malade. Bon, dites-moi, aidez-moi à comprendre. Cher responsable, depuis les indépendances, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? Et vous allez admettre avec nous qu'il y a une malgouvernance. Le pays, les pays sont mal gouvernés. Nous avons tout essayé. C'était les partis uniques au départ.
Après tout, c'était le régime militaire. Après tout, non, c'est la démocratie. Et au sujet de la démocratie, dans des petits pays, dans nos pays, pour la démocratie, on compte des fois jusqu'à 200-300 partis politiques. Et quand vous fouillez, vous allez vous rendre compte que chaque village veut gouverner. Chaque ethnie veut diriger. Un petit pays, 200-300 partis. Et bienvenue le désordre. Après ça, c'est la guerre des mandats. Mandat de 5-7 ans renouvelable une fois ou de manière illimitée. Écoutez, cher président, vous êtes parents. Vous êtes frères à nous. Nous sommes un même peuple. Certains parmi vous ont été bien élus. Mais certains n'ont pas été bien élus. Je dis bien, certains n'ont pas été bien élus. Même si c'est le cas. Mais gouvernez bien. Gouvernez bien. Et quand vous gouvernez bien, vos peuples vont vous acclamer. Vos peuples vont vous élever. Et vous rentrerez dans l'histoire. Vous-même, vous le dites. Certains parmi vous ont dit ça. Que les richesses de nos pays sont entre les mains d'une minorité. C'est entre les mains d'une minorité. Et vous les connaissez. Ils ne sont pas étrangers à vous. Cette minorité qui pille. Cette minorité qui vole. Mais vous les connaissez. Le peuple demande. Le peuple demande. Justice. 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 Quand quelqu'un vole, on l'arrête. Quand quelqu'un vole, on l'arrête. Cher président, nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous voulons que vous prospérez à tous égards. Et je fais un clin d'œil au peuple. Pour dire au peuple que c'est vrai, nous avons beaucoup critiqué nos présidents. Nous les critiquons tous les jours. Mais Paul nous dit autre chose. Il dit, je vous exhorte avant toute chose à prier pour tous ces hommes élevés en dignité. Pour tous ces présidents, pour tous ces leaders, Dieu nous demande de prier pour eux. Parce que Dieu veut que nous vivions en paix. Mais on doit l'admettre, peuple, que nous le faisons peu. Nous ne le faisons même pas. Ce que nous savons faire, c'est de les critiquer. C'est vrai qu'il y a la place de la critique. Mais la place de la prière pour eux est importante. Bon, je reviens à notre très cher président. Ah, nous avons appris. Hein. Peut-être c'est faux. Hein. Mais nous avons appris que bon nombre d'entre vous, vous êtes dans des clubs. Vous êtes dans des groupes ésotériques. Certains sont dans des pactes très sataniques. Je dis, c'est ce qu'on apprend. Hein. Je sais si c'est vrai. Mais si c'est vrai,
Comment se fait-il que ces groupes ésotériques-là n'ont pas donné une solution au problème africain? Comment se fait-il que ces groupes maçonniques, parce qu'on voit ça sur les chaînes. Nous voyons ça sur les chaînes. Nous voyons cela sur les réseaux. Nous voyons cela sur YouTube. Où certains parmi vous se retrouvent dans ces groupes. Mais on se demande, mais pourquoi ils ne vous aident pas à trouver des solutions clair pour nos pays? Et ces pactes sataniques, en tant que serviteur de Dieu, je voudrais vous dire que ces pactes, ces groupes, avec ça, vous n'allez pas bien gouverner. Oui, vous m'avez entendu. Vous ne pouvez pas bien gouverner. Parce que l'esprit qui règne là, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Cet esprit qui est là va vous entraîner dans des choses qui vont contre même votre volonté. Et certains seront obligés de faire des sacrifices. Certains vont faire des sacrifices. Ça ne va pas vous aider. Vous ne pouvez pas bien gouverner. Sinon, comment expliquer que avec toutes les ressources que nous avons dans le pays, avec toutes les ressources que nous avons en Afrique, nous allons faire la queue à la FMI, faire la queue à la Banque mondiale. C'est à nous d'aller passer l'argent là où c'est à eux de venir passer ce que nous avons. Cher président, nous avons les meilleures ressources du monde. Nous avons les ressources minières, tout ce qu'il y a comme mine, le réservoir de mines, c'est ici en Afrique. Oh, nous avons les meilleures terres. Et on importe toujours à manger. Ça au moins c'est l'ABC. Nous avons le meilleur climat pour l'agriculture. Regardez la forêt du bassin. Regardez ce bassin, ces forêts-là. Regardez nos rivières. Regardez tout ça. Regardez le bois qui sort tout le temps de ces forêts. Et bon, comme on ne sait pas peut-être les utiliser, ces bois sont en train de partir un peu partout. Et les Chinois font la fête. Cher président, nous voulons que vous rentrez dans l'histoire. Nous voulons faire des musées pour vous. Nous voulons que vos noms soient inscrits dans l'histoire. C'est sûr que vous vivez des choses que nous ne comprenons pas. C'est sûr que vous traversez des situations que nous ne comprenons pas. Mais dites-le nous. Partagez cela au peuple. Partagez cela. Et laissez le peuple comprendre ces réalités. Parce que vous êtes président à cause de la volonté du peuple. Vous êtes chef par la volonté du peuple. Et c'est le peuple qui vous a laissé là. Et quand le peuple dira non, c'est que c'est non. J'ai peur.
À cause de cette jeunesse qui est en train de monter. La jeunesse qui monte n'est pas la jeunesse des années 60. Elle n'est pas des années 70. Elle n'est pas des années 80. La jeunesse d'aujourd'hui, dans quelques années, en tout cas, je vous fais une prophétie. Ils seront incontrôlables. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous serez obligés. Vous pouvez sortir les canons. Ouais, vous serez obligés de vous plier à la volonté populaire. En tout cas, cher président, peut-être qu'un de vos conseillers va voir cette vidéo pour que vous m'écoutiez. Nous prions pour vous. Nous demandons que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège vous et vos familles. Et que Dieu soit loué dans vos vies. Parce qu'il dit, quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Le dernier mot que j'ai pour vous, sachez vous entourer de bons conseillers. Il y a des conseillers que vous devez chasser. Il y a des conseillers que vous devez arrêter. Parce qu'ils font un sale boulot. Il y a des conseils que vous devez arrêter. Sachez vous entourer. Et parce que nous allons prier pour vous, vous serez éclairé pour connaître les vrais et les faux. En tout cas, nous prions. Tous ceux-là qui travaillent pour l'avancement de l'Afrique, Dieu les bénit. Dieu les élève. Mais à partir de ces instants, tous ceux-là qui travailleront pour faire chuter ce continent, tous ceux-là qui vont travailler pour miner ce continent, oh mon Dieu, vous rencontre. Mon Dieu vous rencontre. Mon Dieu va vous stopper. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était la première cause. La deuxième cause, je veux m'adresser maintenant à mes frères et sœurs chrétiens. Je veux m'adresser au corps de Christ. Je veux m'adresser au peuple de Dieu. Écoutez bien ceci. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, c'est-à-dire toi et moi, c'est-à-dire corps de Christ, nous sommes des millions en Afrique. Nous sommes des millions en Afrique. Et Dieu dit que si nous nous humilions et si nous prions, si nous cherchons sa face et si on se détourne de ses mauvaises voies, de nos mauvaises voies, Dieu va nous exaucer et il va guérir notre pays. Il va guérir notre pays. Il va guérir nos peuples. Il va guérir notre Afrique. Frères et sœurs, l'Église en Afrique a des problèmes. L'Église en Afrique a des problèmes. L'Église en Afrique a des problèmes. Vous savez, entre-temps, dans l'histoire de nos peuples, nous avons vu des leaders d'Église.
allait se compromettre. Dans cette compromission, ils ont fait ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y a des cantiques religieux, des chants d'église pour louer Dieu. À la place de Dieu, ils ont mis le nom des présidents. Quel sacrilège! Ça veut dire quoi? À la place de Dieu, vous mettez le nom d'un homme? C'est grave. C'est grave. Nous avons péché. Frères et sœurs, chefs religieux, pasteurs évangélistes, vous voyez comment les églises poussent un peu partout en Afrique? Les églises poussent comme des champignons. Quelqu'un a dit dans certaines villes, il y a plus d'églises que d'écoles. Et ne pas dire plus d'églises que d'hôpitaux. Donc nous sommes nombreux et nous faisons du bruit. Nous faisons du bruit tous les jours. L'église africaine est l'une des plus vibrantes au monde. Aujourd'hui, le centre de gravité du christianisme, c'est en Afrique. Ça veut dire que tous les chrétiens du monde regardent à l'Afrique. On dit que l'église avance. Ouais, nous sommes dans tous les coins de rue. Mais on se pose cette question. Qu'est-ce que nous faisons? Qui sommes-nous? Le bruit que nous faisons, quel est son impact social? Vous voyez ce que nous reprochons aux politiques. Ce que nous disons contre le politique, on les retrouve chez nous. Ce qu'on dit par rapport aux politiciens, c'est, on les retrouve chez nous, dans nos églises. Et ça, c'est grave. Le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Ça commencera par nous. Les politiciens viendront après. Mais nous sommes les premiers. Mauvaise gestion. Est-ce que nous avons des leçons à donner aux politiques? Au niveau de la gestion des fonds, les détournements. Les détournements dans l'église. Oh, c'est connu. L'exploitation du peuple par le peuple. L'exploitation du peuple par les leaders religieux. Regardez comment ce peuple est dans la misère. Toujours dans l'espoir que ça va aller mieux demain. Mais le lifestyle, la vie du pasteur, la vie des leaders est haute. Je ne suis pas exclu. Donc nous demandons, nous disons, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, quand vous lisez la parole au niveau des actes des apôtres, l'église avait une vision: éradiquer la pauvreté. Et ils l'ont réussi. Ils ont pu éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? Ce qu'on dit par rapport aux politiques, on le retrouve chez nous. Le tribalisme. Oh, nous sommes tribalistes. Des ethnies qui contrôlent des dénominations. C'est des groupes d'individus dans certaines villes qui disent que l'église est à eux. Et
Ah, nous faisons plus de 100 ans d'existence. Nous existons même avant l'État. Je me demande si ce n'est pas de nous que l'État a copié ces mauvais exemples. Et ce même verset qu'on a lu par rapport aux politiques, on peut l'appliquer également aux chrétiens, à l'église. Quand une église, quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Église, qu'avons-nous fait? Le Seigneur dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, on ne parle pas des politiciens. On parle de toi et moi. C'est vrai qu'il y a des politiciens qui sont dans nos églises. Donc ils sont inclus. Mais on parle du peuple de Dieu. On dit, si on fait ça, on va guérir notre pays. On va guérir notre Afrique. Ah, si l'Afrique n'est pas guérie, les autres sont obligés de nous demander des comptes. Si les païens découvrent ce verset, ils vont nous envahir. Ils vont dire, ah, donc c'est vous qui êtes la cause. Parce qu'on dit que si vous, vous faites ça, on va vous guérir. Comme ce fut le cas avec Jonas. Quand il a publié le jugement de Dieu, parce que ça n'allait pas. Quand il l'a publié, le peuple a eu peur. C'est ce qu'on lit dans le premier chapitre. Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quand ils ont entendu cela, quand ils ont su que le jugement de Dieu était en train de s'abattre sur eux, on dit ceci, on dit la chose parvint au roi, le chapitre 3. La chose parvient au roi. Que cette parole parvienne à nos présidents. Que cela parvienne à nos rois, à nos chefs. Il se leva de son trône. Ôta son manteau. Se couvrit d'un sac. Et s'assit sur la cendre. Peuple de Dieu, leader politique, nous avons besoin de nous lever de notre position et de nous humilier. Demander à Dieu de nous pardonner. Qu'il pardonne à l'Afrique. Qu'il guérisse l'Afrique. Qu'il guérisse nos pays. Vous devez le faire. Peuple, nous devons le faire. Nous devons crier vers Dieu. Et ce Dieu qui est bon et compatissant nous fera grâce. Il va susciter de nouvelles vocations. On va rebâtir sur des ruines. Il va susciter des hommes de vision. Il va donner des visions aux leaders. Comment protéger le pays, comment garder nos peuples pour faire face à ces vautours de l'extérieur, à ces vautours de l'extérieur, à ces multinationales, à ces politiques de puissance qui ont trop fait saigner l'Afrique. Oh, ils ont versé trop de sang. Mais des fois, avec votre complicité, avec notre complicité, que Dieu nous fasse grâce. Venons à lui. Président, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Donne-toi à Dieu. Tu seras l'homme le plus protégé au monde.
Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si vous venez au Seigneur, il vous donnera une inspiration nouvelle. Une inspiration nouvelle. Comment éviter les pièges de ces vautours? Et il va vous protéger. Peuple de Dieu, arrêtons de les critiquer. Arrêtons de les critiquer. Prions pour eux. Il y a des voix qui vont se lever pour dire la vérité, c'est vrai. Ça, c'est le rôle des serviteurs de Dieu. De dire la vérité au peuple. De dire la vérité aux leaders. Mais pour le peuple, votre rôle, c'est de se mettre à genoux. Nous voulons aimer nos leaders. Et nous les aimons. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le Burkina. L'Afrique du Sud. Le Kenya. En fait, que Dieu bénisse l'Afrique. Que l'Esprit de Dieu couvre ce continent. Et qu'il nous donne de transformer les choses. Merci Seigneur. Parce que ta parole est vérité. Je te bénis. Je te loue. De ce que tu fais des choses nouvelles. Merci pour ton peuple en prière. Et merci pour nos leaders. Garde-les. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen.